Alors, chers amis, chers camarades, c'est un temps important pour nous qui va commencer à présent. Vous savez que la question des retraites est une question importante dans la vie sociale globale, et vous savez que par ailleurs, sur ce terrain, le pouvoir a décidé de lancer une offensive. Aussi, nous avons voulu que ce soir, donner la parole à plusieurs forces politiques de gauche pour dire notre position, notre détermination par rapport à ce sujet. Alors, de ce point de vue, je voudrais appeler Hélène Le Cacheux de la France Insoumise à nous rejoindre. Je voudrais appeler Paul Bonnier-Massy, je voudrais appeler Bastien Fondon, de GRS, je voudrais appeler Laurence Rossignol, pour le Parti Socialiste, je voudrais appeler Roxane Lamy, pour Génération, et puis, bien sûr, Fabien Roussel, pour le Parti Socialiste. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer à donner la parole à chacun et à chacune des présents et de leur donner à peu près 9 à 10 minutes si ça vous convient. Alors, on peut commencer si vous voulez, peut-être par Hélène Le Cacheux, que j'ai appelé la première. Donc, pour la grosse soirée. Je remets de l'ordre dans mes feuilles, j'arrive. Je préfère me mettre debout, donc bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir d'être ici, d'abord parce que je suis aixoise, et que donc c'est un plaisir d'être accueillie ici, et que d'une certaine manière, je vous accueille aussi dans cette ville dans laquelle je milite depuis plus de 20 ans. Un coucou particulier à mes camarades aixois, camarades de lutte, parce qu'on a des beaux combats à mener dans cette ville. Voilà, nous sommes à 2 ans et demi maintenant du mandat de Macron. Nous subissons un quinquennat avec des offensives libérales extrêmes, comme ça se passe dans le monde entier aujourd'hui. Les forces de progrès sont poursuivies et le libéralisme nous tape de plus en plus dessus. Pardon, je n'avais pas prévu. Voilà. C'est bon, maintenant je suis dans mes feuilles. Donc nous subissons la multiplication des traités internationaux, le CETA en particulier. Dans les préconisations qui avaient été mises en place au départ pour le CETA, il était dit « nous voulons empêcher les contraintes à la libre circulation des capitaux et des biens et des marchandises ». Il était bien sûr la question de personne à cette question. L'idée, c'est de laisser la main invisible du marché s'exprimer. Alors, je suis complètement perdue, excusez-moi. Bah oui, mais plus vite peut-être. Bah oui. Allez. On va mettre le pupitre, ça va aller mieux. Voilà. Donc, je reprends. Donc, cette offensive libérale que nous subissons aujourd'hui est de plus en plus lourde. Donc, j'ai parlé du traité du CETA. Partout, dans toutes les démocraties européennes, nous voyons exactement la même chose se passer. À chaque fois qu'on nous casse une conquête sociale, je dis bien une conquête parce qu'on n'a jamais rien acquis, on a toujours battu pour l'obtenir. À chaque fois que nous avons une conquête sociale qui est attaquée, on nous explique que ça s'est fait ailleurs et que ailleurs ça marche mieux. Ailleurs ça ne marche pas mieux, en Allemagne ça ne marche pas mieux, en Angleterre ça ne marche pas mieux. Et en Grèce, qui ne voulait pas le faire, on lui a imposé, et on voit aujourd'hui la situation des Grecs. Je contextualise la question de la réforme des retraites dans ce débat complexe sur toutes les attaques libérales que nous subissons aujourd'hui. Ces attaques libérales nous amènent à voir peut-être l'explosion de la Terre dans quelques années. Il va falloir, à un moment donné, mettre un frein à tout ça. En France, comment ça se décline ? Macron, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2 ans et demi, a commencé par se débarrasser de tous les corps intermédiaires, tous les uns derrière les autres, il les a fait se faire taire. Il a essayé de faire taire toutes ses oppositions. Et puis, il a développé un système de répression des luttes et des oppositions comme on n'en a jamais vu dans ce pays aujourd'hui.
On l'a vu sur les gilets jaunes, on a vu comment ils se sont fait, comment les manifestations sont réprimées. Il s'avère qu'en ce moment, moi je fais une lutte de chambre, de femmes de chambre à Marseille. À Marseille, c'est la BAC qui vient chercher les femmes de chambre qui sont devant leur hôtel et qui les envoie en garde à vue 24 heures. Cette façon de réprimer, comme le fait aujourd'hui Macron, rentre aussi dans un processus global qui assoit le libéralisme, comme on le voit exactement dans d'autres pays. Avec ça, il a pu faire passer la loi travail, il a pu faire passer la réforme de la SNCF, il a pu faire passer la contre-réforme contre les chômeurs, et maintenant il s'attaque à la retraite. Le système de retraite que nous avons actuellement est un système par répartition. Certes, il y a la solidarité intergénérationnelle, celle qu'il met en avant, mais il y a aussi la garantie d'une prestation. Et c'est parce que la prestation est définie que le système de retraite s'organise de cette manière-là. Ensuite, nous avons soit la possibilité de jouer sur les solutions qui ont été utilisées, sur la durée de cotisation, sur le montant de cotisation. On peut aussi accepter d'avoir un régime de retraite déficitaire. C'est ce que nous garantit le système aujourd'hui tel qu'il existe, c'est celui de la prestation. On part avec un montant de retraite, pensé à peu près dans une fourchette entre 65 et 75%, on va dire, du revenu qu'on avait pendant les 25 meilleures années. Le système par points, ils vont nous dire que c'est pour sauver le régime de répartition, ça n'est pas vrai. Ils nous disent que c'est parce qu'ils gardent un système intergénérationnel, certes. Et le régime par points, lui, définit le nombre de cotisations, le montant de la cotisation, et ensuite, ça dépendra à la fin du montant du point, on pourra toucher une retraite. Il le déclare d'ailleurs à moyen constant, puisqu'il dit que c'est 13,8% du PIB. Le PIB peut varier, 13,8% dans plus la masse de gens à la retraite à un moment ou à un autre, ça peut changer, on connaît la taille du gâteau, et ensuite, elle est partagée. On sait donc que, de fait, c'est insécurisant, et les gens, pour la plupart, dans la mesure où ils le peuvent, parce que, hélas, les précarisations du travail sont telles que ça ne va pas toujours être possible, de plus en plus vont prendre des retraites par capitalisation et des retraites privées. Et petit à petit, cette épargne forcée en parallèle va se substituer à ce revenu des retraites. C'est pour ça que j'insiste sur le mot contre-réforme. Parce que contre-réforme, en 1945, quand on a installé le système par répartition, c'était pour lutter justement contre le fait que des gens qui vivent du travail des autres, qui vivent de la rente, eux puissent arrêter de travailler au moment où ils sont épuisés, ou d'ailleurs pas épuisés, mais en tout cas puissent avoir un revenu de substitution, en tout cas garanti. Et la plupart des salariés avant 45 travaillaient jusqu'au dernier jour, en tout cas jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. C'est donc bien une contre-réforme, ils sont bien réactionnaires et il va falloir qu'on l'assume. Parce qu'on va subir une campagne de communication atroce. Grand débat, vrai débat, faux débat, mais nous allons subir des attaques à longueur de temps pour expliquer qu'elle est universelle. C'est très bien l'universalisme, mais ça ne va pas marcher. Un euro cotisé, donner les mêmes droits à tous, ça veut dire, en d'autres termes, bien sûr, la fin des régimes spéciaux, mais aussi la fin du calcul de la retraite sur les 25 meilleures années. Ça veut dire que si vous êtes rentré très tard dans l'emploi, par exemple, et comme j'aime ce qui se passe aujourd'hui, le stage rémunéré, un stage rémunéré qui libre droit à des cotisations, ces faibles revenus qu'il a pendant cette période-là vont compter dans le montant de sa retraite par la suite. Donc, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, s'opposer à cette contre-réforme des retraites qui nous arrive là maintenant. Quand on dit, quand au début je parlais du libéralisme, on dit il, on dit on, je voudrais préciser une chose, je ne suis pas complotiste du tout. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a des intérêts objectifs, bien compris, entre les gens qui vivent du travail des autres et les gens qui vivent de la rente. Et c'est cette chose-là, cet intérêt bien compris, ça s'appelle conscience de classe. Et nous aussi, il va falloir qu'on réactive notre conscience de classe aujourd'hui parce que la lutte va être rude. Et c'est le travail qu'on doit faire maintenant. Pour ne pas être trop longue, il va falloir que nous fassions front à la rentrée. Je pense que nous sommes absolument tous d'accord là-dessus. Il va falloir qu'on se batte. On a derrière nous des batailles qu'on a perdues parce que, hélas, ce processus de libéralisation intense, il existe depuis un moment. Mais on a aussi quand même le souvenir de batailles réussies,
2005, malgré tout, nous l'avons réussi. On a emporté ce référendum contre toute attente, contre exactement les attaques qu'on va subir maintenant. Donc ça veut dire que nous en sommes capables. Même si ensuite on s'est fait avoir, être des Lisbonne et déni de démocratie et tout ça, il n'empêche que nous avons été capables, en battant les tribunes ensemble, en expliquant chacun avec nos mots, chacun à partir de notre propre conscience politique, histoire politique, chacun à travers, qu'on soit associatif, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit membre politique, nous avons été capables de renverser la vapeur. Donc sur la question des retraites, nous pouvons le faire. Il va falloir que nous élargissions la base, parce qu'il y a toute la base et la force militante que nous sommes qui va se mettre en route, mais il y a aussi des gens qui aujourd'hui sont en colère dans ce pays. Et ils sont pleins. Il y a des gilets jaunes, il y a des stylos rouges, il y a des marcheurs pour le climat, il y a des mouvements féministes, il y a tous ces gens-là, il va falloir qu'ils viennent aussi abonder avec nous le travail qu'on va faire et qu'on va mener le plus loin possible. La France insoumise est disponible, est disposée, je le dis, à travailler le plus largement possible de façon à ce qu'on gagne cette bataille. Alors tous ensemble, on va relever le bord. Merci beaucoup, Hélène Lecacheux. Peut-être que puisque vous avez pris cette disposition, on va continuer. Alors, je vais donner la parole à Bastien Fodeau. Donc, pour GRS, il faut quand même le préciser. C'est pas la gymnastique publique et sportive, mais c'est bien la gauche républicaine et socialiste. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai fait le déplacement en militant de la gauche républicaine depuis Belfort. Voilà ce matin, et c'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous. Chers camarades et amis, puisqu'il est question d'évoquer ensemble la question de la réforme des retraites, je pense qu'il faut dénoncer de départ, dire que telle qu'elle est présentée dans le rapport de loi, dans son principe, comme dans les modalités qui ont été présentées, elle est tout simplement inacceptable. Inacceptable d'abord parce qu'elle organise encore davantage ce qui est au fond le grand programme libéral, qui est l'atomisation du corps social. Elle réalise l'atomisation du corps social parce que nous passons d'un système, le système par répartition, à un système très largement individualisé, où seul compte de façon parfaitement individuelle la trajectoire personnelle de l'ensemble des salariés tout au long de leur vie. Et au fond, il s'agit d'une remise en cause du modèle social et républicain dont nous avons hérité dans notre pays, au moins depuis l'après-guerre. Le programme du Conseil national de la Résistance est une disposition qui avait été prise par Croizat et les autres lors de cette belle époque. La spécificité de ce modèle social et républicain, c'est d'affirmer dans l'ensemble du pacte qui lie les citoyens de ce pays que le sort de chacun est lié. Une société, c'est un espace, un lieu où le sort des uns et des autres est indéfectiblement lié. C'est à cela, je dirais presque philosophiquement, que les libéraux s'attaquent quotidiennement et de façon très concrète. Et ils rompent de deux façons. Avec la façon dont était lié le contrat social, avec la répartition, le système de la répartition. Il y a d'abord une rupture de la solidarité horizontale, c'est-à-dire entre les personnes. Et il y a aussi une rupture de la solidarité entre les générations, une solidarité verticale. Le système par répartition est dit à prestation déterminée. Ça veut dire qu'on sait, tu viens de le dire à l'instant, par avance, dans le contrat, en gros, ce qu'on percevra en retraite. Avec la retraite par points, qui est dite à cotisation déterminée, non plus à prestation déterminée, on sait en réalité qu'une chose, c'est combien on cotise. Et on découvre au moment de la conversion de ces points en pension, combien on perçoit. Cette réforme est inacceptable ensuite parce qu'elle repousse de facto, quoi qu'ils en disent, l'âge de départ à la retraite.
Alors, je ne vais pas rentrer dans la sémantique sur H d'égal, H d'équilibre, parce qu'ils créent des concepts, hein, les libéraux, pour essayer de nous embarquer dans leur histoire. Je ne vais pas rentrer dans cette affaire. La seule chose qui compte, au fond, c'est l'âge auquel les Français partent vraiment en retraite. Aujourd'hui, cet âge, cette moyenne, c'est de 63,4 ans. Dans la loi, l'âge légal, c'est 62. Certes, il ne touche pas à l'âge légal, mais puisque le système par points garantit l'équilibre financier, tu l'as justement explicité, avec cette enveloppe d'un peu moins de 14 points de PIB qui lui est dédiée, au lieu de garantir le montant des pensions, on garantit simplement l'enveloppe. Alors ça, c'est toutes les, j'allais dire, la catéchèse, les sourates, parce que je ne vais pas faire de foi religieux, auxquels les libéraux nous ont accoutumés. C'est la sacro-sainte règle d'or. C'est les comptables qui font aujourd'hui l'économie. Mais les comptables n'ont jamais fait l'économie. Les comptables, ils font de la comptabilité. Et la comptabilité, ça n'a pas grand-chose à voir avec les dynamiques économiques. Donc la réalité, c'est que l'âge légal ne signifie plus rien. Pour prendre un exemple, lorsqu'un salarié prendra sa retraite à 62 ans, c'est dit à la fin du rapport de l'ensemble des simulations qu'il réalise, il partira en moyenne avec une décote de 10%. Donc si les vœux sont au plein, ben, il faut qu'il bosse 2 ans de plus. Donc dans les faits, c'est bien un passage de la retraite de 62 à 64 ans au minimum pour ceux qui voudront disposer du taux complet. Cette réforme par point, de la retraite par point, pardon, elle est inacceptable, enfin, parce qu'évidemment, elle va multiplier les injustices. Et je veux parler à cet égard de l'escroquerie que représente l'âge pivot, l'âge d'équilibre. Vous savez qu'un ouvrier qui aura travaillé entre l'âge de 20 ans et 62 ans, il partira en retraite avec une décote de 10%. Tandis qu'un cadre qui aura lui aussi cotisé 42 ans, en travaillant de 24 à 66 ans, il disposera d'une surcote de 10%. Voilà, de façon très concrète, un des éléments de ce déséquilibre social qui constitue à prolonger effectivement la réalité des classes dont tu parlais à l'instant. Notez bien que les effets de seuil de cette réforme sont proprement effarants. Je vais prendre un exemple. Une femme qui a une carrière avec beaucoup de temps partiel tout au long de sa vie, puisqu'aujourd'hui, vous savez, dans le privé, on prend en compte les 25 meilleures années de la trajectoire. Là, il est question de prendre évidemment l'ensemble de la trajectoire, c'est-à-dire les 42 années, donc y compris toutes les années où nous sommes à temps partiel. Et vous savez, ce sont beaucoup les femmes qui sont aujourd'hui concernées par cela dans le pays. À 62 ans, une femme qui aurait donc une carrière à temps partiel, si elle est au SMIC toute sa vie de salariée, avec 745 euros de pension. Si elle part à 64 ans, elle partira avec 920 euros de pension. À 66 ans, avec 1102 euros de pension, je dis bien 1102 parce que ce qui compte, c'est le chiffre qui vient après. Si elle part à 67 ans, elle aura 1696 euros de pension. Ce qui permet de signifier une chose très précise. C'est que le propos de Delevoye, qui consiste à dire on instaure l'égalité, c'est un système universel, on remet tout à plat. 1 euro cotisé donnera les mêmes droits. C'est une arnaque, elle doit être dénoncée comme telle, une escroquerie. Parce que dans l'exemple que je viens de vous citer, eh bien, les euros cotisés dans la 67e année, je parle de l'âge, je parle des durées de cotisation, nous n'en sommes pas encore là, vaudront en réalité 20 fois plus que les années cotisées, les 42, 43, 44 ou 45 années précédentes. Voilà la réalité de cette réforme des retraites. Alors je veux dire, en plus d'être inacceptable, elle est absurde, parce que dans un pays dont le taux de chômage est bon an mal an aux alentours de 9%, où il manque environ 2 millions d'emplois au moins dans ce pays, il n'y a aucune nécessité, y compris au plan comptable, puisque ce sont des comptables, d'imposer à 1,5 million de Français de rester plus longtemps au travail quand il y a tant de jeunes qui attendent un emploi, une situation, simplement des perspectives d'avenir pour vivre. La réforme des retraites
point par point qui mijote dans les cuisines de Matignon, réfère ce que signifie au plus profond le modèle politique rêvé par les libéraux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'atomisation du corps social. Et au fond, elle est parfaitement conforme à l'idéologie de la droite classique, libérale classique. Son projet, j'ai pour habitude de le dire, c'est la naturalisation des rapports sociaux. Je dis naturalisation car ce qu'ils veulent, c'est le retour à l'état de nature. Celui où il n'y a plus qu'un seul droit qui prévaut sur tous les autres, le droit le plus fort. C'est la loi de la jungle, le retour de l'humanité dans la savane hostile où s'organise quotidiennement la guerre de chacun contre chacun. Notez que quand je dis ça, j'exagère un peu, parce que dans la nature, il existe des solidarités qui vont peut-être un peu plus loin que celles que veulent les libéraux. Au fond, je réfléchissais dans le train, le sens de la solidarité me paraît plus développé dans une meute de hyènes que dans le cerveau d'un anachroniste. Alors, en conclusion, je veux dire une chose simple. Il y a pour nous une ardente obligation à gauche. J'assume ce mot, je n'ai jamais cessé de l'assumer et je continuerai toujours de l'assumer. De marcher vers une logique d'unité, de fédération, de rassemblement, toutes choses qui nous permettront aux uns et aux autres, avec nos parcours, avec nos convictions, de travailler ensemble. D'abord, à l'occasion qui se présente devant nous, là, pour lutter efficacement, de façon organisée, tous ensemble, contre cette satanée réforme de la retraite par points. Et puis, il faut voir plus loin. Parce que je veux vous alerter sur une chose. Une société politique qui laisse se réduire le champ du possible, un clivage entre fachos et libéraux, est une société qui se nécrose. Le choix entre libéraux et fachos n'est pas un choix. Le choix entre libéraux et fachos, c'est en fait choisir entre la cause et l'effet. Et si vous vivez sur une zone littorale, eh bien, choisir entre deux catastrophes, entre le séisme et le tsunami, c'est absurde, parce que si vous choisissez le séisme, vous aurez aussi le tsunami. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bastien Dumont, on signale que ça, du coup, j'ai placé le pupitre, que ça vous cache un peu, on décale. Et je donne la parole à la ministre, donc Laurence Rossignol. Je ne suis plus ministre. Bien sûr, mais j'ai petite. Oui, c'est gentil, malgré les ambiguïtés, je ne suis pas ministre de ce gouvernement. Je le précise bien. Donc, texte de la ministre. Bonsoir à tous. D'abord, cher Fabien Roussel, merci de cette invitation faite à toutes les formations de gauche et au Parti Socialiste que je représente aujourd'hui ce soir, parce que tout le monde est en université et mes camarades socialistes sont actuellement à La Rochelle où ils ont reçu, pour un autre débat, un représentant du Parti communiste, ce qui me paraît être un bon signe pour préparer les échéances qui nous attendent au cours de l'année scolaire à venir. Je suis heureuse de rencontrer aussi ici, de retrouver mes collègues parlementaires et particulièrement mes collègues sénateurs. Je voudrais préciser qu'avec mes collègues de la Commission des affaires sociales, collègues communistes, je trouve que ces trois femmes, alors vous allez dire que ça nous facilite peut-être encore un peu les connivences et la solidarité, mais je dois saluer le travail que nous conduisons avec Laurence Cohen, Cathy Lafourcebaudie, que j'ai aperçu il y a un instant, et Michel Gréau. J'ai aperçu aussi Pierre Laurence, qui est la présidente du groupe communiste au Sénat, et Sadé. Deux personnalités que j'aime beaucoup, Émilie Villard, qui est ici élue de Paris, présidente élue contre les violences faites aux femmes, donc nous avons d'autres zones de rapprochement et de travail en commun, et votre ancienne députée européenne, Marie-Christine Bergère, qui fait un travail remarquable également, qui a fait un travail remarquable au Parlement européen et qui va continuer à porter les causes et les valeurs qui sont les siennes et les vôtres. Lorsqu'on parle du rapport de loi, la première question que c'est pourquoi cette réforme? À quoi ce gouvernement répond en voulant absolument faire une réforme des retraites?
J'entends souvent dire que notre système de retraite est le plus généreux, entre guillemets, comme si le système de retraite n'était pas d'abord le fruit des cotisations des salariés et des actifs. C'est un système généreux, plus généreux que les autres, parce qu'il verse des revenus de remplacement supérieurs à ceux qui sont versés dans les autres pays, et pendant une durée de retraite plus longue. Et à chaque fois que j'entends ça, c'est présenté comme étant un handicap de la société française. Et la première des choses à dire, c'est que ce système de retraite, tel qu'il est aujourd'hui, il est bien sûr le fruit des aides sociaux qui ont été obtenues par le passé, mais c'est d'abord lui qui nous a permis de vaincre la pauvreté des personnes âgées qu'on connaissait en France dans les années 60 et 70. Et quand je dis ça, je n'ignore pas les faibles retraites qui continuent d'être versées, le faible montant de retraite qui continue d'être imposé, mais pour autant, notre système de retraite est un atout à la fois dans l'économie française, dans la société française, dans la répartition des richesses, et il faut contester d'abord l'idée que ce serait un handicap. Donc pourquoi ce gouvernement veut réformer un système de retraite qui réussit parfaitement son objectif, redistribuer les richesses et garantir au plus de 65 ans un niveau de ressources qui leur permet de vivre décemment. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que ce gouvernement coche vraiment toutes les cases. C'est un gouvernement dogmatique. Au nom du pragmatisme, de cette espèce de flexibilité, de mobilité dont ils se font les héros, en réalité, c'est un gouvernement extrêmement dogmatique et qui coche toutes les cases du cahier des charges des libéraux, et pas des libéraux modernes en plus, des libéraux depuis 25 ou 30 ans. L'ISF, puis la réforme des retraites, puis la SNCF, et puis maintenant la réforme des retraites. Ce gouvernement passe son temps à donner des gages au monde libéral en pensant qu'il va en ressortir quelque chose et qu'il va en revenir des dividendes. Non seulement il se trompe, mais je crois qu'il se trompe, mais surtout il essaie de nous tromper. Et cette réforme des retraites, d'abord, on voudrait la connaître. La première préoccupation que j'ai, c'est de savoir comment, à partir du rapport de loi, le gouvernement va nous proposer ses propres mesures. Le rapport de loi, c'est des préconisations pour un système universel de retraite. Mais que retient-on le gouvernement ? Et pourquoi, s'ils sont 6 sur 2, attendent-ils après les municipales pour présenter le projet de loi ? Pourquoi attendre, si c'est si bien ? Pourquoi craindre le suffrage universel du mois de mars prochain si leur réforme est si formidable que ça ? Donc je pense qu'une des premières choses que nous devons demander à ce gouvernement, c'est de nous dire clairement et sans attendre les municipales ce qu'il a l'intention de retenir du rapport de Levoix. Parce que le rapport de Levoix, il est fondé sur un certain nombre de lieux communs, de chiffons qu'on agite régulièrement, qui sont quatre régimes spéciaux. C'est un système injuste, c'est un système inégalitaire. Oui, mais comme je l'ai dit à l'instant, c'est néanmoins le système le plus juste qui existe dans l'ensemble des pays si on compare les systèmes de retraite. Donc, cette réforme, elle va jouer sur les pires penchants de notre société, comme ça s'est passé pour la réforme de la SNCF. Je me rappelle très bien la ministre disant un matin, vous vous rendez compte, vous payez pour le train et vous ne le prenez pas. Vous payez pour le train et vous ne le prenez pas. Et là, ça va être pareil pour la retraite. Vous payez pour des retraites, mais vous n'en profitez pas. Vous payez pour des retraites, mais il y en a qui partent bien avant vous. Et tout va être fondé sur la division entre les fonctionnaires et les salariés du privé, entre les jeunes et les plus âgés. Et si vous adressez aux jeunes, ils vont leur dire, vous les jeunes, vous avez peur aujourd'hui. Puisque vous voyez bien que l'avenir est incertain, vous ne savez pas à quel âge vous rentrez sur le marché du travail, le chômage des jeunes est en tête, et dans ce qu'il est, vous commencez à cotiser tardivement. Donc avec nous, 1 euro pour 1 euro. 1 euro de cotisation, tout le monde égal. Et on va avoir d'abord, à mon sens, à décortiquer toute la mystification, toute l'argumentation fallacieuse qui va être mise en place pour défendre cette réforme des retraites et qui va jouer uniquement sur la division
alors que nous avons besoin de l'unité et de la solidarité. Cette réforme des retraites, les intervenants précédents que je salue, ont déjà dit beaucoup sur son contenu. Ce sont les fonctionnaires qui sont les plus menacés par la réforme et de leur retraite à prendre. C'est eux, parce que leur mode d'établissement leur mode de calcul de pension étant fondé sur le salaire des 6 derniers mois, il est bien entendu que la retraite à points va balayer ce mode de calcul. Et donc, on aura une baisse des salaires des fonctionnaires. Je ne doute pas qu'ils permettront des augmentations de salaire pour bien plus tardivement. Il y aura des mesures pour endormir les gens. Mais les fonctionnaires seront les plus visés. Et quand les fonctionnaires sont visés, notre rôle à nous, c'est d'expliquer à tous que quand on attaque les fonctionnaires, quand on attaque le statut des fonctionnaires, quand on attaque la fonction publique, on attaque la République, on attaque ce qui fait notre force, notre identité et la solidarité qui existe encore en France. Qui sera aussi visé par ça ? Qui sont les autres victimes de cette réforme des retraites ? Tous ceux qui auront des carrières trouées inégales, des carrières difficiles. Cette réforme apportera en fait principalement aux cadres sortis des grandes écoles à 24 ans, recrutés dès la sortie de la grande école, engagés à un niveau de salaire intéressant et élevé, et qui font des carrières toutes tranquilles dans toute leur vie et qui garantissent toute leur vie le même niveau de rémunération. Ceux-là bénéficieront probablement de la réforme à prendre. Mais tous les autres, et en particulier ceux qui commencent à un petit échelon et puis qui montent et qui finissent dans leur vie professionnelle avec un statut, une rémunération supérieure à celui auquel ils ont commencé, tous ceux-là seront pénalisés par la réforme à points. Donc, c'est anti-républicain. C'est-à-dire que cette réforme, elle disqualifie, elle pénalise ceux qui ont la promotion par leur travail. Tout ce gouvernement, tous ces gens qui nous parlent du travail, des premiers cordés, etc., en réalité, sont arrivés à inventer une réforme qui est une réforme qui va disqualifier, pénaliser ceux qui progressent et s'en sortent. Enfin, pour les femmes, et je vais dire qu'on l'a posé avec nos collègues parlementaires, 10 fois au gouvernement, quid de la pension d'inversion. Au début, on ne comprenait rien, mais pas juste répondre à la même chose. Il semblerait que maintenant, et d'autres propositions qui sont sur la table, ne soient pas inintéressantes. Mais la vraie question, c'est pourquoi faire cette réforme simplement pour aménager ce qui pourrait être dans le système actuel. Il y a une autre mesure que moi, je trouve positive, je le dis dans le rapport de voix, c'est la proposition d'une bonification des retraites dès le premier enfant pour les femmes, par défaut, sauf si les deux parents choisissent que la bonification aille à l'autre parent. Je trouve ça très bien. Mais quelle garantie on a aujourd'hui que cette proposition du rapport de voix figure une filée dans un projet de gouvernement, et surtout pourquoi ne pas la faire dans notre système actuel de répartition. Donc nous aurons à combattre le mensonge, la manipulation, la tentative de division des Français, et nous devrons opposer à ça un front uni. Pour le moment, il se constitue. Et je remercie le Parti communiste et Damien Roussel et tous ceux qui sont présents d'avoir pris l'initiative. Première réunion autour de la question des retraites. Il va falloir continuer de travailler ensemble, il va falloir continuer de défendre notre système actuel, il va falloir lutter contre ce qui est le plus difficile. Les mensonges, les fake news, les idées reçues, les manipulations. Et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans, et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne gagnons pas tout le temps, parce que c'est difficile de lutter contre ça. Face à ça, il n'y a que l'unité. Le Rassemblement, le Front syndical, le Front populaire et le Front de la gauche, qui vont avoir d'autres occasions de se réunir dans l'année qui vient, qui pourra être fermement devant le gouvernement pour refuser la réforme à points et pour demander que les bonnes propositions du rapport de loi soient incluses aujourd'hui dans une réforme des retraites par répartition. Merci.
on va faire dans l'ordre. Il n'y a pas de raison. Alors, ça vient Roussel. C'est parti, c'est parti. Moi, je suis très content qu'on arrive à se retrouver pour parler ensemble entre forces politiques de gauche pour la première fois de ce projet de réforme de retraite du gouvernement. Je pense qu'on va vérifier que c'est peut-être le premier débat ensemble que nous avons entre forces de gauche sur le projet du gouvernement, ce que nous pourrions éventuellement défendre ensemble comme contre-projet de réforme. Et c'est plus sur ce sujet que j'aimerais appuyer mon propos. Je voudrais donc d'abord remercier l'ensemble des participants d'avoir bien voulu venir participer à ce débat, des forces politiques qui sont ici. Remercier aussi, puisque je vais en parler, de ceux qui ont travaillé pour le Parti communiste aux premières propositions que nous avons mises sur la table, donc la commission qui a été animée par Olivier Lartigol, avec la commission économique, et l'ensemble des camarades qui ont travaillé dessus, les auditions qu'ils ont pu effectuer, l'aide précieuse de Sylvie Durand, de la CGT, qui est présente aussi parmi nous, et qui nous permet aujourd'hui de mettre quelques propositions sur la table. Comme je l'ai dit ce matin, parmi le propos que j'ai tenu, il faut que sur ce combat que l'on a devant nous, il faut que nous soyons le plus unis possible pour nous opposer aux prochaines réformes du gouvernement, mais nous serons d'autant plus forts si nous arrivons à formuler un contre-projet de réforme qui soit crédible et pour lequel nous serions le plus nombreux possible à le défendre. Parce que, ça a été dit juste avant moi par les différents intervenants, c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler dessus, le projet de réforme du gouvernement est un projet de réforme qui ne va pas dans le sens du progrès social, de la justice sociale, et qui va permettre de répondre à l'évolution de la société, à l'évolution de l'humanité. Nous vivons plus longtemps, l'allongement de la durée de la vie, ça ne doit pas être un problème. Ça ne doit pas être un problème géré comptablement. Ça doit être au contraire un progrès, et il faut pouvoir répondre à ce problème. C'est une chance pour chacun d'entre nous. Et donc, nous devrions avoir l'ambition de pouvoir proposer en ce 21e siècle, pour répondre à ce défi, un vrai projet de réforme de retraite qui a la même ambition que celle qui a été défendue par le gouvernement du général de Gaulle et avec Ambroise Croizat comme ministre à l'époque, qui a réussi à proposer un système de retraite par répartition, système de protection sociale, sécurité sociale et système de retraite dans une France qui était exsangue, en ruine, mais qui a permis de mettre en place un système de solidarité qui aujourd'hui, tant bien que mal, continue à fonctionner, même si ce système de retraite a été quand même largement attaqué. Alors, il y a un point que tout le monde a souligné ce matin, c'est que le projet de réforme de retraite du gouvernement Macron prévoit, entre autres, de repousser l'âge de départ pour avoir une retraite à taux plein, qui contribuera à baisser les pensions. Mais ce projet de réforme prévoit tout simplement de plafonner à 14% du PIB le montant de la richesse à l'intérieur brut consacré à la retraite. Ils ont décidé de plafonner ça à peu près 14%, moins de 14%. C'est sur cette question-là que nous devons attaquer. Et nous devons dire que envisager une réforme de retraite qui plafonne à 14% le montant de ces dépenses pour répondre aux besoins de cet argent de la durée, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc le projet de réforme de retraite sur lequel on doit travailler, c'est d'augmenter cette part de la richesse nationale qui doit être consacrée à l'allongement de la durée de la vie, pour permettre à chacun d'entre nous de profiter de cette deuxième partie de la vie qui est de plus en plus longue. Et si nous devons répondre à ce défi
pas seulement pour se faire plaisir, c'est pas parce qu'on voudrait que ce soit le socialisme demain en France. Quoique. Tout simplement parce que partir en retraite à 60 ans après une vie de travail et de labeur, ça peut bien pour profiter de cette deuxième partie de la vie. Parce qu'il y a un vrai débat engagé dans la société sur le rôle que peuvent jouer les seniors dans cette deuxième partie de la vie. Un rôle, une part active dans la société. Et on le voit de plus en plus, une part active et choisie. Avec le boulot pour s'occuper de ce que devrait s'occuper de la société, mais une part active dans la société, ça c'est un vrai débat qui s'ouvre de plus en plus. Et puis aussi parce que faire partir ceux qui travaillent aujourd'hui à 60 ans, mais c'est surtout une chance et une possibilité de faire rentrer des jeunes au travail pour les remplacer. Et donc, c'est un très bon point. Et donc, si on veut aujourd'hui travailler, faire en sorte que tout le monde ait un travail, comment ça doit passer aussi par là, c'est de faire partir plutôt ceux qui travaillent et permettre pour une nouvelle génération de les remplacer. Et donc, il faut sortir de la calculette qu'a ce gouvernement dans la tête et dans le cœur, et nous travailler avec une autre calculette, mais enfin, surtout avec une calculette qui se fixe comme objectif de répondre à ce défi et de dire, eh bien oui, nous voulons une réforme des retraites à l'aube de ce 21e siècle qui permette à nos aînés de partir à 60 ans, avec une retraite garantie, qui de toute façon, pour qui que ce soit, ne sera pas en dessous du SMIC, un SMIC pour lequel j'ai dit ce matin qu'il devait augmenter de moins de 1%. Et un montant des pensions qui va au moins correspondre à 75% du meilleur revenu d'activité. Et nous disons-nous que se fixer ces objectifs-là, que nous pourrions discuter ensemble, c'est un objectif ambitieux et qui peut montrer comment la gauche aujourd'hui peut porter une réforme de retraite audacieuse, digne de ce 21e siècle, pour répondre aux aspirations du monde du travail qui aura bossé toute sa vie et qui veut avoir une vie de retraité normale et digne. Voilà. Et ça, tout à l'heure, je vous remercie. Donc la proposition que nous faisons, c'est que nous travaillons, nous, comme ministre, à ces objectifs-là. Nous les avons fixés, nous disons c'est 60 ans, retraite garantie, 75% de meilleur revenu d'activité, c'est la base de départ. Et puis nous faisons des propositions de financement. Et nous disons que si on se fixe les objectifs de financer cette réforme d'après, c'est possible. Et nous disons qu'il est possible de faire passer le financement de la réforme d'après de 70 à 90 milliards d'euros en 5 ans. 5 ans, c'est la date qui est prévue, enfin, c'est prévu 2025 pour la mise en œuvre de la réforme des retraites que prévoit le gouvernement. Nous nous disons que d'ici là, en s'y préparant, c'est possible de prévoir le financement de cette réforme de retraite. Et on peut s'y atteler dès maintenant. Et ça passe sur un meilleur partage des richesses, une meilleure cotisation de tous les revenus, et notamment de ces revenus qui ne cotisent pas aujourd'hui au financement d'un système par répartition. Je pense notamment aux revenus financiers, à tous ces revenus qui se développent, qui sont de plus en plus importants et qui échappent au financement de la protection sociale. Et c'est pour ça que je veux rappeler, que nous rappelions lors de cette rentrée, ce chiffre astronomique de ces 500 plus grandes fortunes de France, dont le patrimoine a augmenté de 130 milliards d'euros en l'espace de 2 ans sous la présidence de Macron, et que cet argent-là, c'est 130 milliards d'euros, c'est une croissance de 22% en 2 ans, et qu'il n'y a pas de raison que eux, ils en profitent
et qui ne cotisent pas et qui ne participent pas au partage des richesses. Et rien que ça, ça ne va pas être. Les entreprises du CAC 40, lisez de temps en temps les échos, les pages sur le monde du Figaro. C'est un bon journal de classe. C'est très important de savoir ce que dit l'autre classe. Mais je disais dernièrement que les dividendes du CAC 40 devraient être moins hauts que ce qu'ils espéraient. Ils ne devraient pas être de 111 milliards d'euros, mais de 107 milliards d'euros. Les mecs qui charrient quand même. 107 milliards d'euros pour les 40 plus grosses cotations boursières dans le pays. Et eux aussi, ils ont été exonérés par ce gouvernement de participer à l'effort national, partage des richesses. La taxe de 3% qui a été mise en place au précédent gouvernement a été sautée. Et puis, les revenus financiers sont plafonnés par le gouvernement Macron qui a installé une flat tax. Vous connaissez cette flat tax? C'est-à-dire que les revenus financiers aujourd'hui ne payent pas plus de 30% d'impôts sur ces revenus. Alors qu'avant, ça pouvait aller jusqu'à 60%, c'était proportionnel. Quand c'est plus proportionnel, ils payent 30%, ils payent moins que ça d'entre eux. Et bien, ces revenus vont cotiser comme nous tous. Et enfin, il y a une série de propositions que nous ferons sur le financement de cette réforme de retraite que nous souhaitons nous mettre en œuvre. C'est la création d'emplois, c'est des cotisations en plus. Mais l'égalité salariale, c'est des cotisations en plus. Je sais que ça déchire. Donc, Laurence, puisque tu as été ministre aux droits des femmes sous le précédent gouvernement, mais si aujourd'hui les femmes gagnaient autant que les hommes, ce serait 5,5 milliards de plus de cotisations qui rentreraient dans les caisses de la France. Nous ne nous satisfaisons pas de la réforme de retraite qui dit on ne peut pas faire autrement, il faut faire des efforts. Nous ne voulons plus entendre le mot il faut faire des efforts. Pas nous, à eux d'y participer. Et ce ne sera pas un effort de leur part, ce sera une contribution. Donc, nous appelons à l'unité la plus large pour nous opposer à cette réforme. Première proposition, soyons le plus rassemblés possible. Premier rendez-vous, le 24 septembre prochain, soyons le plus nombreux possible. Nous travaillons tous ensemble à une contre-proposition de réforme des retraites et travaillons-y ensemble. Force de gauche, organisation syndicale, trouvons les points communs que nous avons ensemble. Pas seulement pour critiquer ce que fait le gouvernement, mais ce sur quoi nous pourrions nous entendre. Ce sur quoi nous pourrions ensemble montrer qu'il est possible de mettre en œuvre une autre réforme de retraite. Sinon, nous ne serons pas audibles, nous ne serons pas crédibles, nous ne serons que dans l'opposition. Il faut qu'on donne de l'espoir, je l'ai dit ce matin. Et nous serons plus forts à donner de l'espoir si nous sommes nombreux à porter un contre-réforme de retraite. Et donc j'espère sincèrement qu'avec l'ensemble des forces de gauche et avec les forces syndicales, parce que ce n'est pas joué du côté des forces syndicales, d'ailleurs c'est pas joué qu'elles soient toutes unies contre le projet de réforme, mais l'enjeu c'est qu'on arrive quand même à porter avec les forces syndicales une autre réforme de retraite. Et donc il faut qu'ensemble on soit le plus possible et qu'on montre quels sont nos points de convergence. Donc ça, c'est l'autre proposition que je fais, c'est que chaque force politique maintenant, et chaque force syndicale, pourquoi pas, fasse leur proposition de contre-réforme. Mettons tout sur la table. Nous mettons la même sur la table. Que chacun mette sa contre-réforme de retraite sur la table et voyons ce que nous pouvons faire converger ensemble et portons un espoir au même échange. C'est la dernière proposition, parce que ce gouvernement a dit il y a quelques jours qu'il voulait faire un grand débat sur la réforme de la retraite. On sait ce qu'ils font des grands débats. On sait comment ils arrivent à arriver à ce qu'ils ont envie de faire. Méfions-nous.
mais on peut mettre un coin dans la porte qui s'ouvre et dire nous allons en faire des débats. Et donc, la dernière proposition, c'est que organisons des débats. On va avoir un petit peu de temps, ça va aller jusqu'au printemps de l'année prochaine. Alors organisons des rencontres, invitons partout dans nos départements les forces politiques, les forces syndicales, retrouvons-nous sur tout ce que nous pouvons faire pour agir ensemble et faisons mettre un grand espoir dans notre pays pour le peuple de France et pour la protection sociale. Merci beaucoup pour l'invitation et pour vos mots, cher Fabien. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce qui est en effet l'un des premiers temps d'échange de la gauche sur la réforme des retraites. Alors déjà, je ne sais pas vous, mais je trouve que c'était beaucoup de bien. Parce que là, depuis le début de cet entretien, vous avez entendu des choses avec des mots qu'on n'entend plus trop à la télévision. Solidarité, répartition des richesses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte d'avoir l'avis de nos chefs d'experts comme Barbier à la télévision pour savoir ce qu'ils en pensent. Vous avez du bien déjà d'entendre nos voix qui portent la mission de toute la gauche qui s'unit sur ces combats. Et je pense en tout cas que ça fait mal le plus beau combat à vous avez dit. C'est un sujet qui est quand même au cœur de ce qu'est la politique là. Je souscris à ce que vous avez dit, bien évidemment. Et il y a une forme de violence et d'indécence toujours chez ce gouvernement qui veut faire passer des réformes violentes socialement, qui toujours s'en prennent à nos droits, qui toujours reviennent à cette vision comptable, qui remettent la question des coûts budgétaires sur la table dès qu'on veut, quand il ne s'agit pas des libertés publiques et des violences qu'on a dans la rue, quand on a le malheur, parfois, d'aller en manifestation et d'exposer finalement un désaccord vis-à-vis de ce qui continue comme une incompréhension. Et donc, cette réforme des retraites, on est au cœur de la macronie. D'abord, parce que nous sommes face, il faut dire, au plus grand plan d'appauvrissement des classes populaires depuis l'après-guerre. Vous l'avez parfaitement résumé avec la baisse des pensions d'avenir. Nous sommes vraiment face à une explosion des inégalités qui s'annonce et une explosion de la pauvreté. Ensuite, parce que la fin de la retraite par répartition, c'est bien sûr une atteinte sans précédent à notre principe qui nous tient à cœur de solidarité nationale. Donc solidarité déjà entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires, et solidarité intergénérationnelle entre les plus jeunes et les plus âgés. Et c'est important quand on veut faire société de remettre la question de la solidarité et de l'égalité au cœur de la forme de porte. Donc vraiment, ça n'a aucun sens de vouloir la changer. Et ensuite, il faut le dire, parce que c'est une attaque qui est faite aux droits que nous avons conquis. Donc nous sommes toutes et tous dans cette salle, les héritiers et les héritières d'une histoire, de lutte politique, de lutte syndicale, et que chaque fois que derrière le mot qui parle de régime spéciaux, comme s'il y avait une inégalité de fait, ils oublient que bien sûr, c'est simplement le fruit de luttes syndicales et politiques qui ont été menées, et c'est la conquête de nos droits. Et donc, une fois de plus, c'est la gauche qui est attaquée, c'est le cœur de ce que nous défendons. Donc il est essentiel que nous soyons unis et mobilisés sur cette question. Puis, moi je trouve ça quand même d'un culot incroyable que ce gouvernement décide de sortir cette réforme des retraites, après les municipales bien sûr, mais en tout cas les premières propositions du rapport, dans un moment où on n'a jamais eu un tel mouvement social, en tout cas sous sa présidence de M. Macron, on n'a jamais eu un tel mouvement social qui faisait émerger la question des inégalités et de la justice sociale en plein cœur de la société et de l'agenda politique. Nous sortons d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, qui a posé la question de la répartition des richesses en plein cœur du débat. Nous sortons d'un mouvement avec les marches pour le climat qui continuent chaque semaine, tout simplement, qui a posé la question de l'angoisse vis-à-vis des générations futures,
Je vous dis, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, on est très angoissés vis-à-vis de l'avenir. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer face à l'urgence climatique et parce que nous avons un gouvernement qui ne répond jamais. Et une fois de plus, c'est notre avenir qui est remis en question. Et c'est une attaque qui est faite au droit que nous pensions acquis, conquis. Et nous avons toujours cette angoisse en maintenant pour la fin du mois, pour la fin de la vie et pour la fin du monde. Ça commence à faire beaucoup. Pour résumer, vous avez très bien précisé les choses, quand on arrive à la fin, on peut se contenter de dire que les autres ont très bien dit les choses pour décrire cette réforme, mais en gros, on va nous donner le choix entre travailler plus longtemps pour gagner un peu moins aujourd'hui, ou travailler jusqu'à 62 ans pour beaucoup moins. Dans les deux cas, nous sommes perdants. Nous sommes la génération qui ne connaîtra jamais une retraite heureuse, qui ne connaîtra pas ce qu'est tout simplement une retraite de l'émancipation. C'est dramatique. Et moi, je veux vraiment qu'on aille chercher derrière les mots s'y répondre. Alors, parler d'achetivo, d'achetéquilibre, et moi, je trouve ça formidable. Un gouvernement déjà qui n'assume pas le recul du départ de l'âge à la retraite, qui se contente tout simplement avec la décote de bidouille, pas le contraire, qui a clairement un recul de l'âge à la retraite. Un gouvernement d'un cynisme incroyable, puisqu'il décide tout simplement que l'âge de départ à la retraite, pour le double, va être calculé en fonction de l'espérance de vie. Est-ce qu'on se rend compte? Pour chaque année gagnée en termes d'espérance de vie, nous devons travailler 4 mois de plus. Ça veut dire que le principe même d'espérance de vie est bafoué. Où est l'espoir? Voilà. Donc, on a un gouvernement qui vraiment, derrière des mots très technocratiques, derrière le rêve de la droite libérale, et patronale depuis des années, se contente une fois de plus de pervertir par son cynisme l'espoir que nous pouvons avoir aux espérances de vie. Alors, on va travailler plus longtemps et en plus on va travailler pour moins d'argent. Ce que nous ne sommes pas dû, c'est parfaitement dit, avec ce système de retraite par points, alors c'est Fillon qui en parle le mieux, pour motiver les points. Alors je ne pensais pas dernièrement que c'était Fillon qui en parlait mieux. Mais c'est vrai, puis on parle très bien en expliquant que le système de la retraite par points, c'est ni plus ni moins une manière de permettre gouvernement d'aller baisser la valeur du point chaque année pour faire en sorte que nous de baisser le niveau des pensions. Alors, mais qui détermine le point? Dans les cœurs des luttes syndicales que nous portons toutes et toutes, des luttes associatives également. Alors, une promesse de la création d'une caisse nationale de retraite universelle, paritaire avec des syndicats, mais non décisionnaire. Donc, c'est-à-dire un dialogue social, mais ça ne décide pas. D'ailleurs, c'est les législateurs qui décident, donc c'est le gouvernement. Je pense que ce sera Bercy à la fin. Donc on se retrouve dans cette situation avec, comme tu l'as parfaitement expliqué, cher Fabien, un montant finalement de financement de la sécurité sociale qui va être fixé à 14,6% du PIB, qui fait que comme on va être de plus en plus nombreux parce que l'espérance de vie augmente, il y a mécaniquement nos parts individuelles vont baisser. Donc on se retrouve face à cela, avec un système parfaitement juste, auquel s'ajoute le fait que, bien sûr, avec la mise en place du point 1 euro cotisé, 1 euro versé, on se retrouve dans une situation où on va perdre, en tout cas, jusqu'à 14% du niveau de nos pensions, selon ce qui est destiné. Donc aujourd'hui, on est environ à 62% du salaire net moyen pour nos pensions, on devrait passer à 48%. Je ne sais pas si on réalise bien le niveau d'appauvrissement qu'on va avoir à la fin du mois, pour chaque retraité, alors même qu'aujourd'hui, un senior sur deux est au chômage quand il arrive à la retraite. Ce qui veut dire que l'allongement de la vie, bien sûr qu'il existe, ça ne peut pas être un allongement de la vie active pour longtemps. Et donc, nous sommes face à cette réforme, en tout cas, qui va simplement se contenter d'augmenter la pauvreté, alors même qu'il n'y aura pas de montant minimum, en tout cas, vous savez, il y a un montant minimum. Il ne devrait pas être au même niveau que celui qu'on considère vraiment une baisse de niveau de vie. Donc, les plus riches pourront avoir recours à des caisses privées, pour les autres, ce sera chacun pour soi. Je crois que c'est le principe même de la politique de M. Macron. Donc, je vais pas tarder à m'arrêter parce que, bien sûr, beaucoup de choses ont été dites. Je voulais simplement terminer en disant qu'on se retrouve toujours dans cette situation où nous avons un gouvernement qui a multiplié les coûts budgétaires au détriment toujours des mêmes. J'ai bien aimé tout à l'heure, dans le précédent débat, on parlait d'un perdant pour les retraites,
Et il y avait cette peur à chaque fois de se dire finalement, est-ce que nous sommes les conservateurs à gauche? Parce qu'on est toujours, voilà, ça fait des mois et des mois, dans chaque mobilisation, dans chaque lutte, nous sommes à défendre ce qui existait déjà. Alors que nous portons bien sûr des projets de transformation et des projets d'émancipation pour la société, nous nous contentons finalement de devoir être dans la défensive face à un gouvernement qui broie chacun de nos droits. Donc il est essentiel, je pense, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, d'avoir les contre-projets, d'avoir les contre-réformes, pour montrer que la gauche, que l'alternative existe, et que non, ce ne sont pas des libéraux d'un côté qui imposent leur politique et qui sont soutenus sur les plateaux télé, et de l'autre côté, l'extrême droite, qui serait finalement défenseur des ouvriers. Ben, je ne crois pas. Donc il va falloir absolument que dans les semaines qui viennent, nous portions une voix ensemble, unitaire, pour faire en sorte tout simplement d'être audibles sur ces questions et qu'on ne nous redise pas de la gauche. On est les conservateurs, on n'est pas les conservateurs. On a la possibilité, par ces contre-réformes et ces contre-projets, tout simplement d'innover et d'aller conquérir de nouveaux droits, de poser la question de la pénibilité, de poser la question des droits des femmes, des droits des personnes qui ont des parcours en dents de scie, avec parfois voilà, des pauses qui s'imposent dans les parcours professionnels. Et donc, c'est le défi qui s'impose à nous et je vous remercie vraiment pour ce moment d'échange. Vous savez sans doute que l'essai à Gaster n'attend pas toujours, et plus précisément, les maîtres queues du bureau nous empêchent de pouvoir organiser un débat avec la salle, parce qu'après, on va être en difficulté pour la suite des épisodes auxquels je sais que vous êtes attentifs. Cependant, comme on voulait quand même que ce temps d'échange que nous avons vu là, que nous concevons bien sûr dans un premier temps d'échange, il y aura la fête de l'humanité aussi, qui va être un très grand rendez-vous en la matière. Mais néanmoins, on a eu l'idée, Fabien a eu l'idée, c'était une très bonne idée, d'agrandir un petit peu le cercle en donnant la parole à Sylvie Durand de la CGT, pour qu'on puisse aussi entendre toujours un peu. Si le PIB diminue
discussion ardente, parce que c'est, si on peut sur les retraites, c'est une digue qui va se rompre, et la financiarisation de l'économie va prospérer comme elle n'a jamais prospéré par le passé. Ça va être le développement massif de la capitalisation, développement de fonds de pension, dont on sait ce qu'ils font aux entreprises et à l'emploi. C'est la fin de la sécurité sociale. La fin de la sécurité sociale passera ou ne passera pas selon notre capacité à gagner la réforme des retraites, et je crois que nous le pourrons. Merci.